Ouvrez le dossier de cette pensionnaire. Marie Gracieux, avec un T. Entrée le 24 courant. Bien de l'assistance publique. 3 séjours dans un hôpital psychiatrique. Conclusion médicale? Incommunicabilité certaine avec le monde. Irrécupérable. Aménagée tout de même. Pour l'instant, surveillance assidue. En chambre? Seule, évidemment. J'ai pris soin de l'isoler dès son entrée. Réaction? Aucune. Sinon, ce mouvement perpétuel. Attendons le miracle. Tout est possible de nos jours. Continuons, voulez-vous? Tu m'entends, oui? Mais regarde par ici, idiote! Je vais te parler. Mais arrête de me détailler! Pousse tout ça là! Aide-moi à retirer cette saleté de truc! Mais bouscule-toi! Tire, tire, fais sauter, on s'en fout, déchire tout!
Allez, vite, file-moi tes godasses. J'en aurais besoin. Tes fringues maintenant. Allez, déshabille-toi, je veux foutre le camp. Tu comprends? Tu sais, j'ai beaucoup d'autres vêtements dans ma chambre. Je veux te les donner. Tous. Et ceux-là, j'y tiens. Oui, mais moi je veux me tirer. Et dans les plus brefs délais. Tu piges? T'as saisi? On t'a fait du mal, hein? Tu souffres? Dis. Tu veux quoi? Vivre, mentir, rouler, tourner, n'importe où, ailleurs. Il y a des ailleurs partout. Assez de prison, d'asile, de sales gens, de sales gueules. Mais arrête de me fixer! Tu veux crever ici, toi? Moi, non! On dit que je suis malade. Très malade. Mais moi, j'essaye de trouver le mal. J'y arrive pas. Tout me fait peur. Des fois, mon corps entier tremble. Et... c'est sûr qu'il y a quelque chose de cassé dans ta petite tête. En attendant, donne-moi tes fringues. N'approche pas, non. Pas la robe ou je crie. Bon, d'accord. Tout à l'heure, tu me proposais tout ce de... que j'ai, c'est juré. Comment tu t'appelles? Michel. Et toi? Marie. C'est vrai que tu as quelque chose d'elle. Moi, la virginité. Dis, ailleurs, c'est où? Ça commence derrière ce mur. Ça se termine là où on veut. Allez, salut! Eh bien, qu'est-ce que tu fous là? J'ai plus besoin de toi. Va-t'en, tu vas me faire repérer. Allez, file! Encore toi? Mais qu'est-ce que tu me veux? Emmène-moi. Je peux pas. Adon serait prendre. Et puis tu me gênerais. Emmène-moi. Emmène-moi ou je crie. Ah! Bon, je te fais sortir. Mais après, chacun pour soi. D'accord? Michel! Michel!
D'abord, arrête de chialer. Ensuite, que je t'explique. Une évasion, c'est pas un enterrement. Il faut marcher plus vite. Disons qu'il faut mettre le plus de distance possible entre eux et nous. Sinon, on sera reprise. 3 fois, j'ai déjà été eue. Et celle-là, il faut que ce soit la bonne. Tu comprends? Je peux courir, tu sais. Aussi vite que tu voudras. J'irai où tu iras. Parce qu'avec toi... Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? On avait dit qu'on partait chacun de son côté, maintenant tu me colles. C'est pas vrai. J'arrive à me tirer, il faut qu'une paume me suive partout. Je vois bien ce que tu penses. Je veux pas qu'on se quitte. Jamais. Mais je suis pas un garde malade, moi. Au fait, c'est quoi ton truc? Pourquoi on t'a enfermé? J'ai peur des gens. Oh bravo, ça alors c'est parfait. Elle a peur des gens, elle veut que je l'emmène. Mais ma pauvre fille, mais moi je veux en voir des gens. Et plein. Et des garçons et des beaux mecs. Allez, mouche-toi. Faut tout te dire. Faut s'occuper de toi comme d'un gosse. Allez, lève-toi, on verra après. Alors surtout, tu bouges pas d'ici, hein. Si tout se passe bien, je tousse. Et là, tu rappliques. Et puis réveille-toi, nom de Dieu! Alors tu te souviens, nous visitons la France, on fait du stop. Je m'appelle Marie et j'ai 18 ans depuis 4 mois. Ok, c'est rassurant. Bon, j'y vais. Pas peur au moins? Non, peur. Pourquoi? Comme ça. T'es seule? Les autres, ils arrivent. Quels autres? Les miens. Ma famille, comme si c'était. Et qu'est-ce que tu fais avec ton tambour? Ah, je t'aime dessus. Pour donner du courage. Il paraît que ça aide à la camille de tambour, ça grimpe les côtes. Mais vous allez où? Loin. Ailleurs. Partout. Mais toi, qui es-tu? Je voyage. J'ai une copine. Elle est pas loin. Tiens, les voilà. Celle devant la camionnette, c'est Perle. Je pense qu'ils voulaient t'accompagner. C'était pas trop difficile. Allez, viens, je te présente. Perle? Je sais, moi c'est Michel. Et on voyage. Marie! Nous aussi. Et tu vas? Partout où on peut, mais le plus discrètement possible. On n'aime pas la pub, question d'indépendance. Hormis le manque de confort et le luxe, ça marche et ça passe inaperçu. Vous voulez? Bien sûr qu'on veut. Et vous allez où? Il y a une troupe d'artistes qui dresse son chapiteau ce soir derrière le cimetière de voitures. Ah ouais? Ouais, dans le prolongement du Grand Mall, à 100 mètres. Ah bon? Mais quel genre, tes artistes? Ah, des grands. Hélène Deller, l'année dernière. Ah bah ça, c'est une référence, hein. Mais à quelle heure ça commence, ton machin? Bah à 9h, comme tu le spectacle. Avec toi, c'est des affaires. Oh, non, 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 le je n'aime pas avec toi. Casse-toi. Oh, salut, Pierrot. On se retrouve ce soir à 9h. Ouais, de toute façon, on y sera, on a décidé ça entre nous.
Bienvenue chez les gens du voyage. Installez-vous, installez-vous. Dans quelques instants, vous pourrez admirer nos extraordinaires danseuses exotiques. Mais en attendant, nos charmantes serveuses vont passer parmi vous. Attention, attention. Ah, les tickets bleus, pastis. Les tickets rouges, whisky. En avant, toutes les consommations sont animales. En avant, à vous, messieurs. C'est pas le moment de paniquer, hein. Réponds à personne, colle à mon ombre. Tiens, toi, tu prendras les verres, moi, je prends le scotch. Après, on changera. Ça ira? Tu es là? J'ai pas peur. J'ai encaissé, vous pouvez y aller. Fais aller, remuez-vous, quoi! Et maintenant, de l'exotisme, de la frénésie, de la beauté, le spectacle commence. Le souffle chaud des îles lointaines. J'ai nommé la grande danseuse antillaise. Encore plus. Écoute comme il crie. Si
t'as la trouille, je t'oblige pas à rester. Hein. Tu peux retourner à l'institution. Non, non, je suis avec toi. Vite, on risque de passer. Comme elle est belle, j'aurais voulu être artiste. Pas danseuse comme ça, mais... Avec ta trouille des gens, c'est pas possible. Il y a de la lumière, tu comprends? On est toutes seules, perdues, loin. Comment tu le sais? Comme ça. Avant, quand j'étais petite... Oui? Rien, rien. Juste un souvenir qui vient de passer. Alors, maniez-vous, bon Dieu! Le Duval, maintenant, allez vite! T'as compris? La vie d'artiste, pauvre toi. Dis donc, tu prends pour qui pour parler comme ça? Faut pas confondre, hein? Ici, on est tous des artistes, des vrais. Pearl, Marianne et moi-même. Dans le temps, je faisais du théâtre. Un vrai théâtre, en dur. J'ai joué Shakespeare. Mais ce que vous voyez en ce moment, c'est du théâtre aussi. Le théâtre de la rue. Le premier. Le plus beau. Tu sais, Maurice, la rue, je la connais. J'ai dormi dans les rues. Je me suis cachée dans les rues. Pour moi, c'est plus un spectacle. J'en fais partie. Comme toi. Alors, regardez bien. Regardez ma baraque foraine. Regardez les marins qui gueulent. C'est le grand mystère. Les spectacles forains. Je sais bien. Tous les spectacles sont des mystères. Les forains et les autres. Je suis une artiste. Comme vous. Même si j'ai jamais pu danser ou jouer devant les gens. Et tu es comme nous, tu fais partie de la troupe. Tous les gens du voyage sont des artistes. Il en aborde là. Tu sais pas où est passé mon portefeuille? Ça va pas bien chez vous? Non mais je te cause. T'as de la mémoire, non? Le quai, la drague, la désinvolture. Je vois rien là-dedans qui ressemble à un portefeuille. Allez, casse-toi. Mais je veux mon pognon, moi. Mais il t'en veut rien. Oh, tu ne connais pas? Oh, ben je suis Momo. Oh, ben j'étais là, votre dernier passage, là. Allez, tiens, ça c'est pour la boisson, là, et le complément. Allez, et puis j'espère qu'elle m'aura pas oublié, hein. Eh oui, parce que je la prends dans 5 minutes. Allez, allez, préviens-la. Yeah.
tu vas? Laisse-moi. Je veux savoir. Michel. Je vais te l'avouer, Marie. J'en ai marre de toi. De tes frousses, de ton côté mijauré. Moi, je veux vivre. À mille à l'heure. Faire l'amour. Comme eux. Aimer. Vibrer. Sans rien savoir. Sans rien connaître. Partir. À l'aventure. Sentir une peau se coller contre la mienne. Tu comprends? Tu veux qu'on se quitte? Pour toujours? Fais pas ça, Michel. Je t'avais prévenu quand on s'évadait. Chacun pour soi. Et si tu veux le savoir, j'ai envie de faire l'amour. Ce soir. Tout à l'heure, avec le premier qui me plaira. Et cesse de me coller entre les jambes comme un chien abandonné. Michel, je te jure. Et si tu tiens pas parole, je te plaque, toi et tous les autres. Que nous passions pour remplir les verres, toujours pour 10 francs seulement, à voici. Parle! Hé, hey, Pierrot, regarde! Qu'est-ce qu'elle veut? Ben, c'est toi qu'elle veut, pas l'eau. Oh, bon, nous là pour se marrer. Allez, embarque là. Hein? Ben, Sophie sera pas jalouse. Hein, Sophie? Non, bien sûr, comment vous pouvez y aller. Alors, j'ai pas très envie. Oh, tu te gonfles, hein? Bon, moi, le tout le bateau va se foutre de toi, mon vieux. Non, je me dégonfle pas. Malade ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est ta sœur? Je préférerais crever. Tu peux dire adieu, te débrouiller comme tu le pourras. Espèce de dingue. Bon, laisse tomber. Tu sais, je voulais te dire. T'aurais été le premier. Et tu vas pas me dire que... Si. Si tu me crois pas, tant pis. Va rejoindre tes copains. Allez, va. Maurice doit me chercher.
C'est la nuit là-dedans. Pas eu? Ils m'auront pas. Et les deux filles? Elles dorment. Allez, va-t'en vite avant qu'ils ne t'attrapent. Ils ne me prendront pas, Pierre-Louis. Pas moi. Voilà, on dit ça. Dans une semaine, je serai loin. Pierrot m'emmène. À fond de cale. Mais dans un mois, je courrai aux îles sous le vent. Et je te regretterai, ma petite voleuse. Je t'écrirai, Père Louis. Si j'arrive jusque là-bas. Tu y crois déjà plus? Les îles sous le vent, ce n'est pas fait pour des petites voleuses comme moi, Père Louis. Je le sais bien. Mais peut-être bien que j'irai quand même. Dans ma tête, elles sont là. Tu comprends? Les îles, là. Dans ma tête. Des îles comme personne n'en a jamais vu. Et les flics vont sûrement me rendre visite. Rien de compromettant dans la maison? À part deux ou trois bouteilles, les affaires personnelles et les costumes, je vois pas. Ah merde! Les deux gamines.
Il les avait ramassées sur la route. Maurice les avait embauchées pour le service. Ah oui, les petites. Majeures au moins. Évadées d'une maison de santé la nuit d'avant. Ouais, santé ou redressement, c'est pas la même chose. Avant d'être là-dedans, elle venait de l'assistance publique. Bon, cours les réveiller avant que ça se gâte. Et filez du grand large, hein, de jouer les fantômes. Tu reviendras me voir ces jours à marée basse. Salut. Choisis ta perruque pendant que tu y es. Oh, ça va, il n'y a pas le feu. Si, hein. Justement. Et ça flambe de tous les côtés. Allez, mettez ça. Non, pas maintenant. Michel, je
froid. Mais attends, tu vois bien, Sophie va nous proposer notre habit et sec. Attends. Bon, allez, du calme, les filles. Allez, montons. Va y aller. Marie, va faire le guet de l'autre côté. Allez, allez, va. Attends, j'ai un outil blanc qui est par là. Là. Ouais, ça va, je connais, c'est chez Louise. Qu'est-ce que c'est que cette petite conne? Elles sont deux copines, Michel et l'autre c'est Marie. Ah, les prénoms m'intéressent pas. Elles faisaient partie de la troupe de Maurice. Je les ai connues hier soir pendant le spectacle.
Et après, comme toute la famille a été embarquée... Oui, ben ça, je sais. J'ai reçu la visite de deux charmants territoriaux. Ils veulent savoir qui tu es et où tu loges. Tu vois? Ils m'auront jamais. Marginale, je suis. Et marginale, je resterai. Et si je vole, j'essaie de pas me faire pincer. Tu fais ça à la régulière, quoi. Chacun a une mission à remplir sur cette terre. La tienne, c'est sûrement de piquer des portefeuilles à ceux qui les montrent trop. Moi, j'ai rien à redire. Retour aux petites débutantes. C'est qui et quoi? Thank you.
laissez-moi. Vous n'avez pas le droit. Madame, madame, je veux rester. Empêchez-les. Non. Marie, c'est fini. Ils sont partis. Tu vois, on est toutes les deux. Allons. Pleure. Pleure jusqu'au bout des larmes. Si. On t'a abandonné, hein. Toi aussi. Moi aussi, je connais ça. Pourquoi ils voulaient plus de moi? J'avais rien fait de mal. Je les aimais beaucoup. C'est toujours avec mon père que j'allais me promener. Il y avait un grand jardin. Ils jouaient comme je voulais. Ils disaient jamais rien. Je sais pas. Moi, des parents, j'en ai pas eu. On m'a trouvée. Mon lit était plein de poupées et d'animaux en peluche. Mon préféré, c'était Bobu, un crocodile. Je dormais toujours avec lui. Cesse de remuer le temps, c'est idiot. Puis tu vas te remettre à chialer. J'aime pas qu'on pleure devant moi. C'était des gens de la haute, tes parents. Le patinage, ça coûte cher. Figure-toi que moi aussi, j'ai fréquenté les patinoires. Mais pour faire la bonne. La bonne des autres. De tout le monde. Michel par-ci, Michel par-là. Michel, on te demande au bar. Michel, on te demande au milieu de la piste. Tu étais pas douée, peut-être. Pour le patinage, je me prononce pas. Et dans la vie, je suis sûre d'avoir accompli des prouesses. Qu'est-ce qui t'a poussé à... Un ras-le-bol. Le dégoût. La haine. Fallait voir la directrice de la maison de redressement. Avec son mépris. Avec son air sournois derrière ses lunettes. Alors j'en ai eu marre. Et puis je me suis tirée. Là, c'était ma troisième fumée. Toi, tu es partie. Moi, jamais. J'ai triché sur mon âge. Je me suis fait engager par les patrons d'une patinoire. Au début, ça allait. Puis je sais pas. Ils se sont méfiés. La bonne femme a pris des renseignements sur moi. Puis un jour, ils sont venus me chercher. On m'a changé d'endroit au moins 4 fois. On ne peut pas la garder. C'est trop grave. Envoyez-la à... Marie, c'est fini. Laisse tomber. Ça représente tant de choses, une patinoire. Je n'existe plus. Je glisse dans un pays merveilleux. Tout est reflet. Tout est immobile. Figé. Tout est silence. Je suis dans une spirale de rire. Je suis soleil. Je suis lumière. Je suis Marie. Comment je suis arrivée ici? Par la porte. C'est par la porte qu'on va ressortir. Sophie nous attend. Écoute, Marie, faut que je te dise. Tu vas me suivre et me faire confiance. Je te quitterai plus. On restera toujours ensemble, alors? On va retourner dans la boîte. Tu sais, le club d'où tu es sortie. Après l'histoire du quai. Non, non, pas là-bas. Écoute, tu préfères traîner dans les rues et te faire prendre? Sophie connaît la patronne. Elle lui a parlé, tout est déjà arrangé. T'inquiète pas. Si tu le dis, je te crois. Allez, grouille-toi, il va faire jour. «
et tu m'emmèneras très loin. Et nous n'aurons jamais d'escale. Nous tournerons. Nous tournerons jusqu'à notre fin. La mort sera notre seule escale. Nous pouvons partir, si tu veux. Dans deux jours, nous pouvons l'entrer pour le Brésil. Les conditions dans lesquelles on est vraiment pas. Rien ne m'intéresse des conditions. Pas plus ta destination. T'es mon étoile du berger, je te l'ai dit. J'ai pas mon sel, il n'y a qu'une étoile. Toi, Pierrot. Tu sais, l'Alizée n'est qu'un bateau, Sophie. Il y a toujours un port sur la route pour arrêter son élan. Alors on quittera. Peut-être que t'es pas mon étoile. Dis pas de conneries, je veux comme toi avec toi ce grand voyage. Alors je suis prête. J'attends ton signal, Pierrot. Tiens, vous revoilà. N'aie pas peur. Tu vois, presque tout le monde est parti. Nous venons voir Sophie. Elle est là-bas dans le renfoncement. Elle est pas seule, je vous préviens. Faut plus nous quitter, Marie. Et même que tout à l'heure, je t'emmènerai voir mon bateau dans le port. Tu vois, tout va bien maintenant. C'est un gros bateau. Ah, tu parles, oui. Moi, je suis qu'un des marins, c'est tout. Moïse arrive. Merci. Je viens de la réveiller. Elle a de plus en plus de mal à suivre. C'est normal, à force de vivre la nuit. Pas vrai? Debout. On ferme. C'est le rendez-vous des chiens perdus ici. Salut la compagnie. Alors, on a du vague à l'âme. On se perd, on s'égare. On croit que quelque chose va arriver. Un nom tout neuf, par exemple, au bout du chemin. Rien de plus fragile qu'un décor. La vie, c'est un désert, le reste, c'est un mirage. Et vous, vous pouvez prendre un petit verre si vous voulez, hein? Les poches ont l'air vides, ça fait un bon moment qu'ils n'ont rien commandé. Eh ben, renvoie-moi ce qui reste, en douceur, en souplesse. Annonce-leur que demain dimanche, il y aura de la chanson, de la musique, soirée du gala. Comptez sur moi, Louise. Et puis tu me rejoins quand tu auras fini ton ménage, toi, hein? Je suis jamais partie sans vous embrasser, que je sache. Quel sensible tu fais! D'abord, parez au plus pressé les baumes. Dormir et y récupérer. Que je suppose que tout ça, ça a dû vous crever. Oh, inutile. Je sais. Enfin, l'essentiel, ça me suffit bien. Donc, Pierrot, j'ai soif, moi, tu me sers à boire? Faudra songer à se tirer très vite, hein. Rien de moins anonyme qu'un porc et deux nouvelles désœuvrées sur un bout de quai ou un morceau de trottoir, c'est du tout cuit. Ça, on le savait. On a pris nos risques. Louise, comme vous prédisez si bien l'avenir, tirez-leur les cartes. N'est-ce pas que leur avenir leur promet une belle chose? Un grand ciel bleu. Laisse les cartes dans leur étui. À leur âge, on n'a pas besoin de recettes. On vit parce que la vie vous appartient. Bon, eh bien, bonsoir, Louise. Tout est rangé. Bonne nuit. Avec vous? Non, rien. Vous comprenez, nous... On est parti très vite. Ouais, ben, j'ai compris. J'ai l'habitude. Celle-là, c'est moi qui l'ai trouvée la première.
Ici, tout le monde peut venir, surtout les évadés. Moi aussi, je suis évadé. Allez, coupe. Touche-en une. Tu bouquines? Des livres où il y a plein de légendes. Des baleines blanches qu'on voit qu'au clair de lune. Des coquillages pleins et dont les reflets vont jusqu'à la surface de l'eau. Des marins aux costumes multicolores. Des sabres d'abordage. Des trésors cachés dans les îles qui sont même pas sur les cartes marines. Viens montrer ton livre au lieu de parler tout le temps. Allez debout, les filles! Pas question de dormir cette nuit. Regarde, Sophie. Tous les pays qui sont là-dedans, tu les verras, toi. Sur la carte, on suivra ton voyage avec Pierrot. Mon voyage? Peut-être bien que je l'ai déjà fait. Tout à l'heure. Sur le bateau, à quai. Un bateau, c'est vivant. Il parle. On l'entend grincer, balancer, claquer. Je sais bien. Pour une voleuse de portefeuille comme moi, les bateaux restent toujours à quai. Mais quand vous serez en pleine mer, d'une manière ou d'une autre, je serai là, avec vous. Comment ça, en pleine mer? Nous, on n'a pas de bateau, pas de Pierrot. On part tous ensemble. Quoi? Marie, c'est ses mères! C'est fini! Ils nous auront plus, ces salauds! Vilaine! Maintenant, ça va être le bonheur, la liberté, la joie. Ils t'auront plus. Plus personne pour te faire peur, Marie. Nous aussi, on va aller dans les îles. Regardez, c'est pour là-bas. D'où ça vient, tout ça? Les caisses, sur le quai, j'y suis retournée. C'est pas vrai, t'y retournée? Toi alors? Je crois que c'est Mireille Chignon. Pour toi, j'ai plein d'idées. Comme ça. Bon. Pour ce soir, mettez d'autres fringues. Et descendez voir Louise. Moi, j'y vais d'abord.
J'ai mes adieux à faire. Et n'oubliez pas, hein, à 6 heures, devant la passerelle. Une chambre pardi chez Louise. Il fait jour. On va se faire attraper. Par qui, idiote? Il n'y a personne ici. Il n'y a que Louise. Puis de toute façon, on se réveille tard dans l'après-midi. Elle nous a même expliqué comment se faire un café. Je vais y aller. Ça nous réveillera. Que dit Louise cette nuit? Tu veux parler des cartes? Moi, des emmerdements, j'ai eu que ça. On s'en est tiré. On continuera. Et si on demandait à Pierrot nous emmener? En s'arrangeant avec ses copains, c'est pas impossible. Ça ferait de la peine à Sophie, peut-être. Apprends qu'il s'est rien passé entre Pierrot et moi. De toute façon, Sophie le sait. Et puis, du moment qu'elle l'aime, moi, il a fini de me plaire. Dis, tu voudras un homme un jour, pour toi toute seule? Avant d'en avoir un pour la vie, faut en essayer plusieurs. Mais si un jour je tombe amoureuse, il aura tout. J'aimerais que lui. Il sera l'univers, le ciel, la mer, l'immensité. Il fera de moi tout ce qu'il voudra. Je l'aimerais comme une folle. Moi? Je pourrais plus aimer. Encore avec tes histoires. Fais l'amour d'abord, tu décideras ensuite. Il s'est jeté sur moi. C'est horrible, Michel. Mais écoute, il s'est rien passé, on arrivait avant. Mais non, pas ça. C'est avant que je te connaisse. Un autre. Je pourrais plus oublier. Écoute, je te demande pardon. On peut causer de rien avec toi. Je te dirais qu'il pleut ou qu'il fait soleil, tu chialerais quand même. Tu sais, je comprends tout ce que tu peux ressentir. D'accord, un type a voulu te sauter. Mais il n'y a pas de quoi porter le deuil toute sa vie. D'accord? Je dirai plus rien. Allez, bois. Je peux te faire de peine. Alors, les vieilles? C'est à cette heure-ci qu'on fait surface. Ben, faut croire que l'idée est bon. On est réveillés depuis un bon moment. On déjeune. Allez, pressez-vous. J'ai rendez-vous avec Pierrot. Je vous emmène. Le temps de s'habiller, on arrive tout de suite. Hein. Attends-nous. Pacha est à terre, l'équipe de guerre joue aux cartes, sinon vous auriez pu larguer les amarres, comme on dit dans notre jargon. Bon, venez, je vais vous faire visiter le bateau. Allez. Thank you.
des nuits et des jours. L'océan comme compagnon. Et le ciel comme ange. Les mouettes. Et le silence. Un grand silence. Arrête, va. Laissons-les tous les deux. Allez, viens, on retourne chez Louise. J'ai quelque chose à te demander. Et je voudrais pas que tu me le refuses. Quoi donc? Je voudrais que les petites partent avec moi. C'est impossible, tu te rends pas compte. Le voyage va durer au moins 3 ou 4 ans. Il le faut, Pierrot. Leur destinée les a conduites jusqu'à un port. Près de l'espérance. C'est quelque chose, ça. À quelque part les attend. Il faut qu'on les aide. Oh oui, le bonheur, l'amour, la liberté. Tout ce que tu vois. Les trois passagers clandestins à bord d'un bateau, c'est pas de la tarte. En plus, il vous faudra manger, boire, dormir, respirer, se cocher, moi. J'ai la trouille, c'est sûr, on va se planter. Écoute, c'est la première fois que je te demandais un geste. Il faut que je t'avoue quelque chose. Cette nuit, en rentrant, j'ai fouillé le ciel. Il était d'encre. L'étoile du berger ne luisait plus. La peur que j'ai eue, je l'oublierai jamais. Parce que c'est noir sans étoiles, tout s'écroule. Tu te rends vraiment malade pour rien, Sophie. Bon, c'est décidé, on partira. Faudra être exact au rendez-vous et suivre mes instructions à la lettre. Oh chouette, Pierrot, je te retrouve. Une chanson. Fermez vos gueules tous. Silence. Louise va chanter. Vas-y Louise, chante-nous la mauvaise prière. Marine, fière de l'être avalé tambour, sur un trois-mâts de la marine, mon bien-aimé matelot. À bord du Saint-Michel Archange, porte l'habit des matelots, de nos cœurs nous fîmes l'échange, le mien vogue avec lui sur l'eau. A suivi monsieur de Joinville, à Cherbourg quand il est parti, a suivi monsieur de Joinville jusqu'aux rives de Tahiti. Protégez-le, bénigne vierge, de tous les périls de la mer. À votre autel, j'ai mis trois cierges aux branches du flambeau de fer. Protégez-le des maléfices des femmes qui vivent là-bas. Elles ont Satan pour complice et des baisers qu'on n'oublie pas. Il paraît qu'elles dansent nues, je l'ai su par nos réflecteurs, et chantant des chants inconnus, pressent des chapelets de fleurs. Mais plutôt qu'il soit infidèle, bonne vierge à mon cœur jaloux, plutôt qu'il me soit infidèle,
Je vous en prie. Tu as commandé? Donc il partage la couche de ces sirènes de malheur, plutôt qu'ils goûtent sur leur bouche le sel amer de ma douleur. Dirigez de vos mains divines la foudre qui vous obéit sur le trois-mâts de la marine où navigue mon bel ami. Menez-le aux sales tempêtes, brisez-le contre les rochers, courbez sous le joug des tempêtes, l'orgueil de ses mâts brisés. Perdez le Saint-Michel Archange et Joinville et tous ses marins, pour que les lèvres de mensonge servent de pâture aux requins. On est des marins, nous aussi, qu'est-ce que vous croyez? Non, soyons précis. Marin au féminin se dit marinette. Eh bien, nous sommes des marinettes. C'est mignon, tu trouves pas, parce que je t'adore. Écoutez, mademoiselle, boire, c'est très bien, c'est une distraction normale, hein, mais de temps en temps, on aimerait changer de distraction. Danser, par exemple, voyez, hein, la compagnie ne manquera pas, ça, je crois. Hein. Quand on demande, on a. Mais si vous voulez danser, lâchez ma cuisse. Le tango se fait rare, les Argentins n'émigrent plus. Mais encore plus excitant quand elle raconte n'importe quoi. Qu'est-ce que tu lui racontes? Qu'un deuxième martini aux orums ferait plus grand bien, j'ai la pépite. Des martinis, please. Et des doubles. Quatre, hein. Merci. Tu vois quelque chose? Avec un vieux con comme moi. Vous dansez? Cette tête, ils les ont invités. Elles sont en bonne compagnie. Elles sont plus anonymes. Les fureteurs de l'aube les remarqueront moins au cas où on est de la visite. Si vous le dites, Louise, vous avez peut-être raison. Oh, puis il est préférable que moi pas passer le temps. Pensez à rien. Laissons-les s'étourdir, être vides et absents. Pas savoir ce que sera le tout à l'heure de sa destinée. Dans le fond, ils s'amusent aussi, ils posent pas de questions. Ça leur est peut-être nécessaire, comme aux gamines, va savoir. Je trouve que ça commence à bien faire. On y va. Ok. Excusez-moi. Pardon. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a de belles gueules ici. Oui, l'établissement est ouvert tous les soirs à partir de 21h. C'est inscrit sur une pancarte à l'entrée. Ton bateau arrive demain? Oui, c'est envisageable. À moins d'une mutinerie à bord. Avis de tempête néant, tout va pour le mieux. Pourquoi tu t'ennuies ici? Non. J'ai envie de faire l'amour. Ah bon? Et avec qui? Le premier qui en a rendu. Alors attends, je vais m'interroger, tu vois. J'en ai pas encore tout à fait envie, tu vois. Donc,
invité à prendre un verre. Hein? Attends, je vais prendre verre ici. Puis il y a de gens, moi, on les connaît. Allez, viens avec moi. J'attendais que vous ayez une minute. J'ai des choses importantes à vous dire. Non, j'aurais dû m'en douter. Tu sais, Sophie, pour moi, les adieux, ça se passe d'accompagnement. Hein. J'aime les effusions discrètes. De la rapidité dans l'exécution. Oui. Marie et moi, on a rendez-vous à 4 heures sur le quai. Et on doit être à l'heure. Sophie l'a dit 4 fois. Bon, bah écoutez, moi, je vous propose une chose. Hein. On va tous regagner la villa. Et puis, demain matin, j'accompagnerai nos voyageuses au port. Hein, on prend notre dernier verre et puis on y va, d'accord? Ok, d'accord. Excellente idée, Roger. Je suis partant. Mais vous promettez que vous nous raccompagnerez à l'heure exacte sur le port, hein? Ah oui, ça c'est promis, Michel. Hein? Tu peux compter dessus, ma belle. À la vôtre. Pardon. Tout va bien? Les bourgeois sont meurdants, mais rien de particulier. Bon, laisse tomber le bar, je m'en occupe. Bah, dire au revoir à Sophie, elle t'attend dehors. Alors, ça y est, tu nous quittes définitivement. Je te regretterai, tu sais. On pensera beaucoup à toi. Veille bien sur les petites, elles ont encore besoin de protection. J'y veillerai autant que je pourrai, Patty. Maintenant, je vais te faire mes adieux. Dire adieu, c'est... Un au revoir un peu long. Non. Non, Patty. Mon au revoir à moi est un adieu. À qui ou à quoi? À des choses ou à des gens? Je sais pas. Partir, c'est pas savoir où on va aboutir. J'ai seulement la sensation que ce voyage m'entraînera très loin. Bien au-delà de ce que j'imagine. Et je sais que j'en reviendrai pas. C'est pourquoi je te fais mes adieux. Je suis pas très bien. Mais si tu le décides comme ça, je te dis adieu, Sophie. Bon, allez, on y va, là. On s'en va. Passez. Allez, on y va. Là, il y a la voiture devant la porte. Pas besoin de voir, j'imagine. Vous entendez, vous autres? Michel ne voit pas et l'imagine. Elle est en train de gagner toutes ses batailles sur l'imaginaire. Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu vois bien qu'il n'est que 3 heures. Tu as tout le temps avant le départ de ton bateau. Tiens. Non, merci. De toute façon, on te préviendra. On attend ton bruit juste un peu. Écoutez ce morceau.
Chiche, mais alors, ne marchez pas sur les pieds. Hein. Vous ne trouvez pas que ces demoiselles ne sont pas tout à fait dans le tout? Qu'est-ce que tu vas encore inventer, toi? Vous allez voir. Venez avec nous, les petites. On va vous transformer. Bien. Allez, n'aie pas peur. Regarde comme tu vas être mignonne avec ça. Messieurs, regardez ce que nous avons préparé pour vous. De ravissantes poupées. Ah non, cher ami, elle, c'est pour moi. Dire que je ne vous verrai plus jamais, c'est triste, non? Vous savez, moi aussi, j'ai beaucoup voyagé. Alors, on s'ennuie? Ça, hein? On a peur? Le désert. Non, me touchez pas! Et la mort derrière chaque dune. Pourquoi la mort? C'était si dangereux, vous étiez? Oui, évidemment, vous êtes jeune. Je l'étais aussi à cette époque. Enfin, c'était la guerre, quoi. Vous avez fait tout ça? Vous en êtes revenu? Oui, avec des trophées et le goût du collectionneur. Alors vous voyez, parfois quand je m'ennuie et que tout me paraît vain, eh bien, je retourne dans mon petit musée. Vous avez rapporté beaucoup de choses? Oui, beaucoup. Tout ce que j'ai pu réussir à rassembler. Je pourrais voir? Pourquoi ça vous intéresse? Tout ce que j'ignore m'intéresse. Alors, vous vivrez très vieille, adorable Michel. Montrez-moi. Et le plus facile, c'est d'en haut de l'escalier. Marie, viens. Il y a Roger qui a un musée là-haut. Laisse-moi tranquille! Facile, tu tires, comme ça, voilà, tu mets tes balles, les 5, tu fais ça,
Tu armes. Et tu tires. Allez, je vous laisse à mes charmantes amies. Entre femmes, on se comprend mieux, n'est-ce pas? Viens nous rejoindre. Viens. Viens jouer avec nous. Ne sois pas si timide. Celui-là, toujours chargé. On sait jamais, hein. On vit dans une drôle d'époque. Toujours être prudent. Voilà, il est chargé. Plus qu'à tirer. Bien touché. Bien. T'excites d'avoir une arme dans les mains. Hein? Non! Non! Mais n'aie pas peur! Laissez-moi! Je vais pas te faire de mal! Michel! Michel! Non! Michel! 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 Pas la conne, là, non, t'abuses pas avec ça. C'est chargé, c'est pas un jouet, oh, oh. Allô, Villa Louisiane, 42, vite. Le bateau, le grand voyage. Dis, ils ne peuvent plus nous empêcher de le prendre. Mais oui. C'était notre bonheur qui voulait. Écoute. Il nous appelle. Allez vite, Marie. On a encore le temps. On remet nos fringues et on se tire.
5 minutes pour sortir les mains en l'air. Après, nous donnons l'assaut. C'est trop tard, Sophie, elles viendront plus maintenant. Pierrot, je peux pas partir sans elles. Ma dernière balle. Moi aussi. Marie, on partira pas. Aux îles sous le vent. On partira quand même ensemble. Vite, avant qu'ils arrivent. On tire en même temps. On tire en même temps. Mais c'est des gosses.